eradicate this flawed reality. Death claims the soul of your world. Now, bear witness, mortals, to eternity's end. Et bonjour, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour les deux cinématiques, puisqu'il y a la cinématique de fin de Shadowlands qu'on va voir juste après. Mais on va commencer par l'introduction du Sépulcre, justement, avec la présentation en gros du combat contre le geôlier, puisque c'est énormément de contexte, énormément de choses très importantes. Donc il fallait revenir dessus. Je vais traduire vite fait parce que c'est en anglais, donc... On n'a pas la version française pour le moment, donc je vais la traduire dans l'idée. Donc c'est une cinématique in-game qui se passe donc à Zereth Mortis. On a fait une vidéo sur Zereth Mortis, hein, donc en gros le geôlier est dans cet endroit créé par les fondateurs, hein, ces espèces de supra-titans 2.0 qui ont créé toutes les forces cosmiques de la vie, enfin toutes les forces cosmiques de la réalité. De notre réalité plutôt, et au final, eh bien, ce qu'il fait, donc c'est pour ça qu'on voit un cadre qui fait très titan, encore une fois d'ailleurs, hein, on dirait vraiment Ulduar avec, avec justement la vision sur Northrend, hein, sur le continent du Norfandre, parce que c'est pas pour rien, hein, évidemment, en tant qu'entité de la mort, en tant qu'éternel, en tant qu'entité suprême de la mort, eh bien, il a... Il avait justement sa mainmise sur le Roi Lich et le Northrend, donc forcément c'est directement là-bas. Et on va y revenir, puisque justement, derrière il dit, voilà, est-ce que vous, simple esprit mortel, pouvez imaginer depuis combien de temps j'attends, depuis tous les événements qui sont... qui en gros sont liés les uns aux autres et qui maintenant chaque every pawn put into play, en gros chaque fibre, chaque moment, chaque sbire en gros que j'ai dû déplacer pour pouvoir rentrer en action. Et donc là, on a tout simplement la vision d'Azeroth avec donc la citadelle de la couronne de glace, hein, ICC, Icecrown. Qui, sachant qu'on va en dessous, sachant qu'on voit aussi bien sûr l'enjeu de l'extension, c'est-à-dire le ciel complètement fissuré, et on va en dessous dans les profondeurs de la forteresse d'Icecrown avec quelque chose, et ça c'est assez important. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est tout simplement la Forge des âmes. Forge des âmes qui était un donjon de Wrath of the Lich King, et dans la description de la Forge des âmes, eh bien c'est quelque chose qui a été, c'est l'un des récents ajouts de d'Arthas en tant que roi Lich, et ça on va y revenir après parce que c'est assez important, la Forge des âmes, hein, qui est utilisée normalement pour récupérer plein d'âmes autres que le fléau a collecté. Ici, comme elle est creusée en profondeur, eh bien finalement il rajoute ça parce que c'était pas du tout prévu à Hotelka, mais c'est plutôt pas bête, afin de lier ça avec le geôlier en mode en même temps, encore une fois, le principe des titans, ça, tout ça, du coup il y avait une forge dans Icecrown, et bien ça sert. Comme les titans, souvent ils ont des forges en profondeur pour être connectés avec l'esprit du titan, eh bien on lit ça justement, la forge des âmes. Et donc connecté avec les titans, c'est pas bête, honnêtement c'est pas bête du tout d'avoir réutilisé ce truc là, qui était un peu nul à chier, on va pas se mentir, Hotelka, pour pouvoir justement l'ajouter. Et ce qui est intéressant par contre, c'est que c'est quelque chose qui a été créé par Arthas en tant que roi Lich. Et du coup, ça sous-entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, on y reviendra juste après. Donc, pour la traduction, globalement, donc il dit, parce que cela, c'est vrai que c'est plus sous-titré. Alors, attendez, parce que... Donc, voilà, donc il dit que, voilà, on va récupérer l'âme... L'âme d'Azeroth, justement, est blessée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a aussi la réponse à BFA, en gros, avec cette cinématique, puisque, en gros, il fallait affaiblir le titan. Donc BFA avec l'épée, tout ça, pour qu'il puisse l'aspirer plus facilement. Il doit y avoir, j'imagine, des barrières un peu plus... ça c'est de la supposition, mais ça doit, si elle est tranquille en train de dormir, ça suffit pas, peut-être qu'il y a trop de barrières. Alors que là, justement, comme elle est blessée, eh bien elle est plus vulnérable à une attaque extérieure. Et du coup, le geôlier en profite. Avec, voilà, bon, le potentiel d'Azeroth. Vulnerable, yet teeming with potential.
Voilà, donc vulnérable mais pourtant avec tant de potentiel. Un potentiel que je vais utiliser. Pour réécrire la réalité tout simplement. Ce qu'il a toujours dit. La mort. Donc la mort réclame l'âme de votre monde. Maintenant, soyez témoin. Et ça, c'est le nom du patch. Donc soyez témoin de la fin de l'éternité, hein, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de cette introduction qui est quand même un contexte assez important. Et petit point, du coup, ce qui est intéressant avec cette cinématique, c'est que ça sous-entend donc que Battle for Azeroth faisait... On a toujours dit que ça faisait partie du plan du geôlier, c'était prévu avec BFA, tout ça, tout ça. C'est cette cinématique qui nous sous-entend pourquoi. Parce que bah, justement, comme l'âme et... Enfin, comme Azeroth est blessé, eh bien... on va pouvoir en profiter pour aspirer son potentiel et son âme. De l'autre côté, on a également donc Azeroth qui est toujours ce titan en gestation dans le monde d'Azeroth, donc un être extrêmement puissant, et du coup tout le monde veut un peu s'accaparer de sa puissance. Les dieux très anciens, alors soit s'accaparer, soit la détruire, hein. Pour le coup ça c'était par exemple, c'était le coup de Sargeras. Après Sargeras aurait potentiellement récupéré aussi l'âme, mais du coup on a tout simplement cette volonté de récupérer l'âme d'Azeroth ici. Et derrière, ce qui est très intéressant par contre, c'est que justement je vous ai dit, attention c'est un détail, on va revenir dessus, c'est la Forge des âmes qui a été créée par Arthas. Et ça sous-entend quoi? Parce que Ner'zhul, lui, il n'a pas créé la Forge des âmes. Et on sait que les trois rois Lich ont résisté au geôlier. La différence, c'est qu'on n'a que le traitement de Bolvar, où on sait que Bolvar, bah, y a des moments où il fait des trucs, notamment à Légion, où c'est pas forcément lui qui est derrière. La nouvelle, justement, que j'avais décryptée sur les décars, rappelle qu'il y a quelque chose qui est derrière et qui parfois prend le contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Arthas à Wotelka, il fait n'importe quoi. Hein. Vidéo sur Wotelka, sur Wrath of the Lich King, Arthas fait n'importe quoi à Wotelka. Pourquoi il est AFK pendant qu'on est à Ulduar pour taper les gardiens, etc. Le mec, il est AFK. Il prend des décisions complètement ridicules. Il fait des non-sens complets. Il va à gauche pour finalement aller à droite, pour finalement ne pas bouger, pour finalement bouger, mais dans le pire endroit. Enfin, il fait des choses complètement... débile à Wotelka, le roi Lich. Et souvent c'est pour arranger le scénario, mais c'est aussi parce que les scénaristes n'y ont même pas pensé, et du coup c'est de la merde, ou vouloir écrire pour rien. Et donc c'est de la merde, globalement ça n'a aucun sens, c'est complètement incohérent le traitement du roi Lich à Wotelka. Et dans la vidéo sur Arthas et sur le potentiel avenir du roi Lich, etc., qu'on avait faite avec Evanessor, et dans d'autres vidéos sur Shadowlands, si vous avez regardé toute la playlist, je vous avais évoqué le fait que Shadowlands pourrait être justement l'extension qui essaierait d'apporter un peu de cohérence au roi Lich de Wotelka, notamment Arthas, enfin donc Arthas, en expliquant que potentiellement, alors moi j'avais toujours parlé de Ner'zhul, qui en fait il y avait toujours un combat dans la tête entre Ner'zhul et Arthas, et que du coup les moments où le roi Lich fait un peu rien ou n'importe quoi, c'est le moment justement où Arthas reprend le contrôle, tout ça, et en fait ce qui est sous-entendu ici, c'est que on sait qu'Arthas a résisté à l'influence du geôlier. C'est d'ailleurs pour ça que dans la cinématique sur Arthas, vous voyez son âme en miettes, je le rappelle. Son âme est en miettes, c'est parce que le geôlier s'est vengé sur Arthas, qu'il l'a trahi. Mais on voit que du coup, le geôlier a quand même eu suffisamment de contrôle pour pouvoir créer la Forge des âmes. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que la Forge des âmes n'était pas créée. Alors on sait qu'Icecrown est une création du Ner'zhul, le premier roi Lich, mais la Forge des âmes n'existait pas à l'époque. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas eu le temps de finir les travaux? Ou est-ce que c'est parce que Ner'zhul était celui qui résistait le mieux à l'influence du geôlier? J'aurais tendance à prendre le choix du deuxième. C'est pas parce que j'aime Ner'zhul, c'est que bah, on sent que lui, dans Warcraft 3, si on suit ses événements, il est clairement très 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 indépendantiste. Donc c'est pour ça que je m'appuie là-dessus, mais ça peut être tout à fait les deux. Et au final, après, Ner'zhul a eu beaucoup plus le temps pour faire les travaux d'Icecrown que Arthas. Bon, ça c'est un autre débat. Et au final, ce qui est intéressant, c'est que ça sous-entend que Arthas, il a un comportement aussi débile à Wotelka, c'est parce qu'à certains moments, il y a un conflit entre Arthas et le geôlier. Donc on rend plus cohérent Wotelka. Mais le problème c'est quoi? C'est que c'est un sous-entendu. C'est très fortement sous-entendu, puisque bah, la Forge des âmes c'est ça. Mais bah, c'est un peu le problème, c'est que c'est sous-entendu, mais c'est pas proprement dit. Mais c'est quand même fortement sous-entendu.
Donc, on essaye quand même de gommer un peu les problèmes de Hotelka, sans dire que Hotelka c'était de la merde, parce que sinon, bah, tout le monde sort les fourches et dit c'est nul. Enfin, vous êtes des connards, Shadowrun c'est de la merde. Donc, pour le coup, ça j'aime bien ce que fait la Forge des âmes pour essayer d'expliquer les problèmes de Hotelka. Par contre, attention, hein, on se rappellera toujours que Légion a essayé d'expliquer des problèmes de Burning Crusade, et que du coup, les gens ont dit ah non, non, mais il y a une explication, c'est ça, 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 ça. Non, 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 il n'y avait pas d'explication, et l'explication a été donnée 10 ans après. Différent. Hein, on les rappelle, hein, les Kil'jaeden, oui, c'était Kil'jaeden derrière BC. Pas Burning Crusade, pas Burning Crusade. Du coup, voilà pour cette première vidéo, on va se regarder la deuxième et je reviens après, donc je repasse dans les ombres. Have betrayed your duty as Arbiter and shall be bound forevermore. Your madness has threatened the cycle of life and death entire. You could have sought another way, brother. Imagine what we could have accomplished together. Why? What drove you to this end? You preserve that which is doomed. A cosmos divided will not survive. What is to come? Alors, petite cinématique, donc elle est pas très longue, 1 minute 23. Alors, ce qui est bien, c'est que là, il y a les sous-titres français, donc j'ai pas besoin de traduire, mais on va revenir image par image, puis ensuite on reparlera de certaines choses. L'objectif, par contre, je préfère le dire tout de suite, l'objectif de cette vidéo n'est pas de faire le bilan de Shadowlands, c'est pas parce qu'on a la cinématique de fin que Shadowlands est terminé. Je rappelle qu'il y a une 9.2.5, je rappelle qu'il y a des chapitres qui ne sont pas encore disponibles pour l'histoire, notamment le procès de Sylvanas, tout ça, tout ça. Donc, on attend avant de juger définitivement l'extension et autres. Nous, on attendra la 9.2.5 et d'avoir regardé un petit peu les nouveaux dialogues, etc., qui arriveront à la 9.2.5. Et là, avec Eva, on fera un bilan justement de l'extension, des choses, des promesses qui sont tenues ou qui ne sont pas tenues, etc. On a déjà une bonne idée maintenant qu'on a la fin, mais attendons d'avoir tous les éléments sous les yeux. Sachant que moi-même, j'ai pas encore fait ce combat-là, j'ai pas encore vu, parce qu'il y a probablement des interactions pendant le combat. On a vu la cinématique de début, on a vu là on vient de voir la cinématique de fin. Il y a probablement des interactions que j'ai loupées pendant le combat et que je compte bien faire en stream. Donc voilà pour ce qui est du petit rappel. Il y aura bien une vidéo bilan, mais c'est pas celle-ci. Qu'on soit clair, c'est très important. Gardez-la en tête. Du coup, on commence par. On voit justement la défaite du geôlier qui perd petit à petit son armure, tout ça, donc qui sous-entend notamment le casque, c'est pas rien, le casque, Écho, Roi Lich, tout ça. Donc il est en train de perdre son casque, donc ça rappelle justement. Ça fait aussi beaucoup écho, je trouve, au début de la cinématique de Shadowlands où au final on arrache le casque à Bolvar. Et du coup, bah, Bolvar dit non, tu ne sais pas ce que tu fais, blablabla. Voilà, donc ça doit pas être la fin, tout ça, tout ça. Et là, flashback! Et là, c'est super important. Flashback incroyable. Où on voit tous les Éternels qui ont enfermé. C'est le moment en fait qui se passe il y a probablement des milliards d'années, ou des millions, mais probablement des milliards vu qu'on est au début, on est sur une échelle vraiment cosmique. Où justement le geôlier a été enfermé par les autres Éternels dans l'antre. Donc on voit Kirestia qui me fait rire, elle passe encore une fois pour. C'est encore une fois la plus vindicative, hein, évidemment. Donc vous avez trahi votre devoir d'arbitre. Donc ça reconfirme, c'était déjà la 9 points, ça, mais ça rappelle quand même que le geôlier était l'arbitre, The Arbiter. Et vous avez trahi votre devoir d'arbitre et serez lié à jamais. Donc on se sert quand même de lui. De son essence d'arbitre pour pouvoir justement le continuer à faire le à écouler le cycle, sauf que ce sera un arbitre dénué de tout sentiment et de tout toute le enfin donc juste de la logique pure.
La reine de l'hiver qui rappelle qu'il a perturbé le cycle de vie et de la mort, qui est le cycle naturel des choses, et l'importance de Sylvain. C'est bien parce qu'elle rappelle aussi dans cette vidéo le rôle de Sylvarden en tant que boucle au, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la... Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là on voit en fait tous les éternels qui jugent le geôlier et qui vont le condamner à l'antre, là où justement il va récupérer c'est toute la magie de la domination, etc. Et il va devoir se libérer, ce qui est tout l'intrigue de Shadowlands. Et ce qui est bien, c'est que du coup on a des interactions et du développement de personnages pour tous les éternels. Et Denatrius qui dit vous auriez pu chercher une autre voix, mon frère, qui est le seul qui humanise un peu le truc, mon frère. Imaginez ce que nous aurions pu accomplir ensemble. Et il lui tend une main presque. Il lui tend une main en mode ensemble, on aurait pu faire des choses extraordinaires. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'au final, eh bien, Denatrius ici, faut pas l'oublier. Faut pas oublier quelque chose. Denatrius, on se posait la question. On savait que Denatrius avait fait partie de ceux qui l'avaient enfermé. Ça, c'était clairement dit dans le Pexing. Mais le problème, c'est qu'on savait pas est-ce que ça faisait partie d'un plan plus global, on va dire. Parce que Denatrius est allié au geôlier, au final, dans Shadowlands. Donc, on ne savait pas trop quand est-ce qu'au niveau chronologie, quand est-ce que Denatrius avait choisi de rejoindre le geôlier. Est-ce que c'était ça à l'époque? Eh bien, il semblerait que non, puisqu'on aurait pu, trouver une voie, imaginer ce que nous aurions pu accomplir ensemble. Ça sous-entend qu'ils ne bossaient pas ensemble avant, lorsqu'il a été foutu dans l'antre. Et que bah, derrière, plus tard, ils sont de nouveau rentrés en contact et Denatrius a finalement choisi d'aider le geôlier à se libérer afin de d'accomplir quelque chose ensemble, justement, s'ils avaient trouvé une autre voie. Donc ça, c'est assez intéressant. Le problème ici, à mon sens, et on y reviendra après, peut-être que je m'avance un peu trop, on y reviendra après, mais Denatrius, le souci, c'est que, encore une fois, en fait, cette cinématique répond à quelque chose, mais elle ne répond pas de manière bien précise et bien détaillée, elle ne fait que nous reposer d'autres questions. Du coup, quand est-ce qu'ils se sont recontactés? Comment ils se sont recontactés? Qu'est-ce qui a changé aussi? C'est surtout ça le plus important. Parce qu'on n'a pas les crimes du geôlier. On sait qu'il a fait quelque chose d'horrible, notamment vis-à-vis des cachets, etc. Ça, c'est la 9.1 qui nous en parlait. Mais le problème, c'est que on ne sait pas ce qu'il a commis. On ne sait pas ce qu'il a fait comme crime. Alors peut-être qu'on aura des réponses ailleurs que dans la cinématique, mais il y a de grandes chances que non. Et au final... Bah, Denatrius, du coup, qui était contre lui avant, donc c'est la manière, en fait. Denatrius, sur le fond, est d'accord, c'est la manière qu'il gêne. Et au final, la manière semble être le plus lui correspondre vis-à-vis de ce qu'il fait à Shadowlands, dans le jeu normal. Donc, c'est... Encore une fois, ça pose aussi beaucoup de questions, en fait. Ensuite, et là, c'est très drôle. Là, c'est très très drôle. Parce que c'est le Primus qui parle. C'est marrant parce que c'est la sous-titre français, mais du coup, il garde le titre. C'est marrant, ça. What drove you to this end? Le Primus qui dit qu'est-ce qui vous a poussé à cette fin, tout ça, donc... What drove you to this end? Et ce qui est drôle, c'est que le Primus n'a pas de modèle. Et ça, c'est très intéressant. Le Primus n'a pas de modèle. Et pourquoi, en fait, il n'a pas de modèle? Il y a de très grandes chances que ce flashback... Il aurait dû sortir plus tôt dans l'extension, potentiellement même au début de Shadowlands. On aurait dû avoir directement des éléments de contexte concernant le geôlier qui ont finalement été retirés pour les poser plus tard. Parce que le Primus, au final, son modèle est arrivé très tardivement. Il est arrivé à 9 points, contrairement aux autres éternels. Il y a de grandes chances que ça, ce flashback, il était prévu pour la 9.0. Et spoiler, donc ça c'est une supposition. Mais le fait que le Primus n'apparaisse pas alors qu'on a la présence de tous... Ça sous-entend beaucoup de choses, à mon sens. C'est quasiment un aveu de ce truc-là était prévu avant. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que ce développement de personnage, bah, c'est ce qu'il aurait fallu au geôlier. Ce flashback, il aurait fallu nous le montrer par le passé. Il aurait fallu nous le montrer avant. Ça aurait été plus clair, du coup, le lien avec l'arbitre. Ça aurait été plus clair et surtout, ça aurait été plus humanisant pour le personnage. On nous a dit, attention, le geôlier, c'est un mec ultra vénère, méga vénère, qui n'avait aucun développement. Et son développement, il arrive quand il se termine. C'est la cinématique de fin du raid. Et on a enfin du développement sur le personnage. Mais c'est trop tard. C'est bien, mais c'est trop tard. Et du coup, ce flashback, qu'est-ce qui vous a poussé à cette fin? Ce qui est intéressant par contre aussi, c'est que la plupart disent « tu as mal fait ». Enfin, les deux disent « toi tu as été contre nature, toi tu as été contre nature, toi t'aurais pu,
tu as Denatrius qui prend sa part haute, en mode t'aurais dû faire autrement, tout ça, c'est pas bien. Et le Primus est le seul à chercher à comprendre pourquoi. Parce qu'il y a toujours eu ce lien aussi entre le geôlier et au final le runomancien, hein, le geôlier et le Primus, toujours cette connexion. Alors il dit pas le frère, il l'appelle par son prénom, mais c'est assez intéressant. Pourquoi Zoval, tu as fait ça? Enfin, c'est vraiment le seul qui a cette empathie envers le personnage. Et qu'est-ce qui vous a poussé à cette fin? Et il répond. Voilà, vous préservez ce qui est condamné, hein, ce qui est voué à disparaître. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cosmos divisé qui ne survivra pas à ce qui est à venir. Je vais revenir après. Je pense que le flashback aurait dû être en deux parties. Première partie à 9.0, deuxième partie à la fin. On aurait eu une réponse aussi au niveau du flashback. Garder du mystère, c'est tout à fait compréhensible, mais il faut nous présenter les choses. Et par exemple, on n'aurait eu qu'un fragment du souvenir de l'arbitre, tout ça, et en fait, on aurait eu le début. Vous préservez ce qui est condamné. Boum, ça s'arrête là. En plus, littéralement, vous avez regardé cette coupure de mise en scène. Il y a une coupure. Alors, ici, bien sûr, c'est pour rappeler son identité derrière. On va y revenir après, voilà, pour faire le plan avec ça. Mais en fait, il y a une coupure mise en scène. Là, il est pris de haut. Et boum, évolution du flashback avec une nouvelle scène. Tu coupes avant. Tu coupes avant ça, tu le mets dans la 9.0, le début de Shadowlands. Et à partir de là, c'est la fin, justement, c'est la cinématique de fin où tu reprends depuis le début. Là, tu fais, voilà, en fait, ce qu'on vous avait mis au début, vous avez la fin maintenant. Et comme ça, en plus, ils auraient pu mettre le Primus cette fois, avec le vrai modèle en plus. Du coup, je trouve ça vachement intéressant. Mais le problème, c'est bien, c'est du développement de personnage. On attend ça depuis le début de Shadowlands. Le problème, c'est que ce développement, il n'a pas été mis à cette époque. Et il y a de très grandes chances, vu que le Primus n'a pas de modèle, qu'il était prévu pour la 9.0. Mais il a été enlevé derrière. Et c'est vraiment dommage parce que ce qu'on veut, enfin ce personnage en fait, on essaye de nous le vendre parce que clairement là on voit qu'en fait le mec il a fait tout ça, c'était parce que il considère, c'est vraiment très Ner'zhul de Warcraft 3, s'il veut détruire tout, c'est pour pouvoir se libérer premièrement, hein, c'est ce que veut faire le geôlier, parce que c'est vraiment, de toute façon le geôlier reprend complètement Ner'zhul en fait, hein, dans l'idée de domination d'Arthas, dans l'idée de il retourne Arthas contre tout ce qu'il a fait, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la fin d'Anduin et Arthas, et au final. Eh bien, pour ce qui est du geôlier, il reprend donc complètement l'archétype de Ner'zhul. Il redevient le suprême roi Lich. C'est un roi Lich 2.0 aussi. On dit souvent qu'il est un Sargeras 2.0. Là, on voit littéralement son bannissement auprès des titans. Les éternels, c'est littéralement un Sargeras 2.0. Il est banni par son propre panthéon parce qu'il a vu une vérité que les autres n'arrivent pas à voir, tout ça. C'est très Sargeras. C'est très Amon aussi, hein, d'Exelnaga Protoss. Hein, j'y reviendrai après. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce développement, il aurait fallu le voir au début de Shadowlands, pour humaniser le personnage. Mais non, non, il faut tellement vendre le MMORPG. Vous avez le méchant, il faut construire le méchant. Ouais, mais un méchant, il a besoin de développement et ce développement-là. Pour que justement on ait de l'empathie à l'égard du personnage, il fallait que ce développement il arrive avant. Et là, on aurait eu plus de développement. Et pareil, Ner'zhul à Warcraft 3, il veut se libérer, comme le geôlier, et il veut détruire les forces cosmiques qui le manipulent, et il veut détruire, et il veut se battre contre des forces cosmiques qui sont plus dangereuses. Enfin, Azeroth, pour lui, c'est que dalle, c'est surtout la Légion Ardente qui le menaçait, Ner'zhul. Là, l'idée, et ceux qui l'ont créé aussi, la Légion Ardente, là, l'idée, lui, il veut se libérer de l'antre, pour pouvoir réécrire ceux qui l'ont créé, les fondateurs, et parce qu'il y a une menace il y a une supra-menace qui menace tout le monde, donc il veut se servir de la mort pour pouvoir contrer cette supra-menace. Avec Ner'zhul et le roi Lich, bah, vous aviez la Légion Ardente et les dieux très anciens. Là, pour le coup, c'est. Parce que Day War 3, il y avait les dieux très anciens, et du coup, bah. C'est un peu l'idée, encore une fois, c'est vraiment Ner'zhul 2.0 le geôlier. Hein. Sauf que bah, Ner'zhul, c'est pareil, on connaissait son histoire. Que soit Sargeras et Ner'zhul, les deux, on connaissait leur histoire en fait. Ner'zhul par Warcraft 2 et Sargeras, bah, on le connaissait par aussi Warcraft 2, Warcraft 3, WoW, tout ça. On connaissait le développement. Les titans ont eu du développement sur beaucoup d'années, ce qui n'est pas le cas du geôlier en fait. Donc en une extension, il a fallu couvrir, je dirais, 15 ans de développement de Sargeras. Bah, il faut le faire au début, pas maintenant.
Donc c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage qu'il y ait eu cette coupure. Et derrière, donc un cosmos, ça je sais que ça va vous faire, ça va beaucoup vous faire parler, un cosmos divisé ne survivra pas à la menace qui arrive. Donc le but de cette cinématique, c'est de conclure le chapitre Shadowlands et terminer le chapitre Fléau, tout simplement. Donc entamé à Warcraft 3, repris à Wotelka, un peu réouvert à Légion et surtout réouvert à Shadowlands et terminé à Shadowlands. Donc tout en servant, puisque c'est un MMORPG, donc il y aura de prochains patchs, de prochaines extensions, tout ça, tout en ouvrant le chemin vers les prochaines extensions, en s'ouvrant des portes. Ce qui est intéressant, premier point, donc on voit le Zoval sous forme humaine, j'ai envie de dire, et qui redevient sous cette forme très étrange, qui est une espèce de forme d'automate qui nous prévient qu'il y a une grosse menace qui arrive. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que juste après, ce qui nous a amené aux Shadowlands, aux Terres d'Ombre, donc en Ombre Terre, c'est tout simplement la faille dans le ciel d'Azeroth, et eh bien elle se referme. Donc ça déjà, c'est ce que beaucoup de gens avaient eu du mal avec BFA. On a ouvert avec l'épée qui est enfoncée dans Azeroth, et on se termine avec l'épée qui est toujours enfoncée dans Azeroth. Donc avec BFA, il y avait eu ce sentiment de non-accomplissement, on va dire. Certes, on a buté un dieu très ancien, mais au final, tout ce qui a lancé l'extension n'a pas eu de fin. Là, pour le coup, la fin, elle est présente, hein, puisqu'on a tout simplement le ciel qui est refermé. Donc l'extension se termine là-dessus. Et le méchant, ça aussi, c'était un des trucs des devs. Beaucoup, je sais qu'il y en a qui vont être très déçus de la cinématique parce qu'ils s'attendaient à ce que la 10.0 ce soit un reboot total de WoW, etc., etc. Premièrement, vous n'écoutez pas les développeurs. Deuxièmement, vous ne m'écoutez pas. Mais les développeurs avaient dit justement que. Il voulait revenir parce que c'était une des grosses critiques qui avait été faite à BFA, à l'encontre de BFA et même à d'autres extensions. Les joueurs veulent enfin certains joueurs en tout cas, c'était l'écho qu'ils avaient reçu, voulaient un méchant qui soit propre à une extension, à l'ancienne, façon Wotelka, et façon souvent BC, alors que c'est pas vrai à BC en plus, mais façon Wotelka ou Cataclysme, avec au début vous avez la cinématique qui vous parle de tel méchant arrive, et ça se termine avec tel méchant. La différence, donc en gros on voulait, enfin certains joueurs voulaient ça. Finalement, donc le geôlier a été vendu comme le grand méchant de Shadowlands et ça se terminerait avec Shadowlands pour lui. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit pas tué parce que ça reste un éternel, mais au final, non, 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 il va payer pour ses crimes, il va être tué. Et le truc, c'est qu'on le revoit donc sous sa forme. Ça, faut avoir fait un petit peu Zereth Mortis, il faut avoir joué en jeu. Le principe, c'est que les éternels, tout comme les titans, etc., ne sont que des constructs par des fondateurs. Donc en gros ce sont des gardiens, un petit peu j'ai envie de dire, hein, ce sont des gardiens, c'est comme les gardiens vis-à-vis des titans en fait, sauf que là ce sont les gardiens des fondateurs, donc on les remet sous leur forme fonctionnelle véritablement, donc cette espèce de forme de robot qui est la version en gros sans âme j'ai envie de dire, mauvais jeu de mots, mais sans âme, déshumanisée, où on revient à ce qui est censé être l'éternel ici, ou un titan, ou tout ça, donc quand il reprend sa forme... Sa forme de prototype en gros quoi. Parce qu'on affronte les versions prototypes et là on affronte la version finale et la version finale quand elle meurt redevient ce principe de machine. Donc c'est une machine sans l'âme qu'on a accordée d'éternel. Donc ça c'est intéressant pour le coup. Alors j'en profite pour débunker direct pour ceux qui se diront ah ouais ben, en plus ils s'appellent les éternels, j'ai vu le film Les Éternels, ça semble vachement être inspiré du film. Je rappelle que le développement de Shadowlands s'est fait avant la sortie du film et que même Zereth Mortis s'est fait pendant la finalité du film. Donc ça, c'était prévu avant. C'est un heureux hasard qu'il y ait le film Les Éternels qui sorte en parallèle. Le truc, c'est juste que Les Éternels, c'est un film qui est inspiré d'un comics. Et pour le coup, clairement, on reprend le délire des comics. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Qui va plaire ou ne pas plaire d'ailleurs. Mais par contre, attention, pas de parallèle avec le film puisque ils sont vraiment sortis quasiment en même temps, donc c'est pas le cas. C'est vraiment surtout une reprise du film et pas de bol pour eux, donc ils vont en prendre plein la gueule. Mais le film, donc on pourrait se dire qu'ils ont complètement plagié le film alors qu'en fait c'est surtout une reprise des comics pour les Éternels et pas de bol parce qu'en fait ce truc-là, ça pourrait marcher avec les Titans, avec les Seigneurs du Vide, tout ça. Mais là, c'est les Éternels. Dommage, il aurait fallu trouver peut-être un autre nom, mais d'un autre côté, pour la mort, les Éternels, c'était pas bête. Ou les, je sais pas, les Fossoyeurs, ça aurait pu être un nom, un nom rigolo pour le domaine de la mort. Ils avaient dit de donner les éternels. Bon, après, c'est bien fait aussi pour eux. Ils avaient qu'à trouver un nom un peu plus original. Du coup,
On a la finalité, la conclusion, tout ça, tout ça, ça se, tout est bien qui finit bien. Mais d'un autre côté, il nous parle d'une super menace. Le cosmos, un cosmos divisé ne survivra pas à ce qui est à venir. Un cosmos divisé, c'est tout simplement les forces cosmiques qui se foutent sur la gueule. Lui, ce qu'il voulait faire, le geôlier, c'était faire en sorte que la mort domine toutes les forces cosmiques, d'où la domination, domine toutes les forces cosmiques, afin que toutes les forces cosmiques soient unies sous l'égide de la mort. Qui aurait été la force cosmique dominante, mais il aurait rassemblé toutes les énergies, toute la puissance de toutes les forces cosmiques pour pouvoir affronter une supra-menace. Alors, quelle menace? Je sais que beaucoup vont parler du vide, mais en fait, le vide fait partie des forces cosmiques, qui sont désunies. Donc, il aurait voulu unir toutes les forces cosmiques, notamment le vide. Donc, ça sous-entend que c'est une menace extérieure aux forces cosmiques, aux six forces cosmiques. Je rappelle, la vie, la mort, la lumière, le vide, et l'ordre et le désordre. Donc les démons face aux titans. Donc le truc, c'est qu'il voulait intégrer toutes ces forces cosmiques, les six forces cosmiques, pour repousser une autre menace. Donc quelle autre menace pourrait être justement... Alors c'est une fin très ouverte, ça peut être plein de choses. Là clairement c'est on a ouvert une porte, on la récupérera plus tard, ça peut partir dans tous les sens. Ça peut être tout simplement, premier point... La menace par rapport au contexte actuel avec Zereth Mortis, ça semble être les dévoreurs. Il y a des quêtes qui sous-entendent, enfin il y a des quêtes, c'est même pas sous-entendu, c'est dit explicitement que les dévoreurs sont limite une menace plus grande que celle du geôlier. Donc quand on te sort un truc comme ça, déjà c'est complètement con parce que ça réduit l'influence du geôlier alors que le geôlier n'est pas encore battu, mais ça te rappelle que cette menace est monstrueuse. Et que, d'ailleurs, c'est juste des ergues, hein. Soyons honnêtes, hein, c'est des ergues. C'est des ergues visuellement différents. C'est un mélange entre les ergues primordiaux et les ergues de l'essaim. dans leur rôle, dans leur construction, dans leur organigramme, dans tout, c'est les ergues. Et ça m'énerve particulièrement. Mais du coup, le geôlier parle d'une menace encore plus grande. Donc quand on est dans le contexte de Zereth Mortis et de la 9.2, bah c'est vrai qu'on a tout de suite envie de penser aux dévoreurs. Si vous ne suivez que des cinématiques pour le lore, bah vous ne savez pas ce que sont les dévoreurs. Donc c'est aussi pour ça que le jeu est important. Les dévoreurs, moi je suis pas très fan du concept parce que c'est vraiment... Enfin les dévoreurs qui affrontent les gardiens, les protecteurs, les premiers-nés, c'est les airs contre les protos quoi. Donc si je veux suivre ça, bah, je vais dans le lore de Starcraft. mais après qu'on soit clair, hein, les titans c'était déjà les Xel'Naga. Hein. C'est pas penser que c'est que Zereth Mortis, tout ça, que c'est nouveau avec Shadowlands. Les titans c'était déjà pas très intéressant et c'était déjà des Xel'Naga hein, sur le papier. Mais bon, continuons. Donc la future menace pourrait être, premier candidat je pense, bah, les dévoreurs. Deuxième menace, j'ai suivi Starcraft. Un fondateur en fait, puis j'ai suivi Warcraft aussi, un fondateur qui se serait retourné contre son propre panthéon, qui aurait détruit les autres fondateurs ou qui les aurait foutus en stase et qui finalement se retournerait contre toute la création en considérant que la création est mauvaise. Amon, Sargeras, le geôlier, encore une fois, ou avec un fondateur qui se retournerait contre sa propre création et que divisé, bah, les forces cosmiques ne pourraient pas affronter ce fondateur. Ça pourrait, c'est mon deuxième choix, c'est mon deuxième candidat fondateur. Directement les créateurs, hein, c'est quelque chose qui a déjà été vu dans Starcraft, dans Warcraft, même dans Diablo, au final avec Diablo Tatamet, Diablo 3, tout ça, même si c'est un peu différent avec Diablo, et puisque c'est deux forces pour Diablo, donc c'est pas tout à fait pareil. Et derrière, bien sûr, ça pourrait être un autre candidat qu'on n'a pas vu venir, hein, puisqu'il serait même pas vu venir par les propres scénaristes qu'ils auraient créés par la suite, ça pourrait être un autre candidat. Maintenant, j'ai du mal à imaginer que ce soit une force propre aux forces cosmiques actuelles. Et ce qui est marrant, c'est que on a déjà pas vu les Seigneurs du Vide, mais les Seigneurs du Vide déjà sont complètement minimisés, on va dire. Mais ça, c'est quelque chose qui était déjà. Je sais que beaucoup se gueulent en mode ah ouais, mais Seigneurs du Vide, on nous les avait vendus comme les méchants suprêmes, tout ça. C'était logique. Et c'est aussi pour ça que je vous en parle souvent en stream ou en vidéo. Faire attention, prendre un peu de recul parfois sur ce qui est dit, parce que il est évident, et c'est pas parce que le lore part en couille quoi que ce soit, c'est avec n'importe quelle histoire. Quand on vous dit ce perso il est trop fort avec plein de superlatifs, il y a forcément à un moment donné il va échouer en fait. Donc faut toujours prendre du recul sur ce qui vous est dit à ce niveau là. Du coup,
Est-ce que cette menace arrivera sur la prochaine extension, puisque c'est la supra-menace, tout ça, non, il y a de grandes chances que cette supra-menace arrive dans... Enfin, ce soit une porte qui soit ouverte et qui sera récupérée dans plusieurs extensions. Vous allez me dire, tu t'appuies sur quoi? Alors déjà, je pourrais m'appuyer sur l'annonce de la prochaine extension où on nous parle d'un retour sur Azeroth, donc... Il y a de grandes chances qu'on ferme la page un peu cosmique pour pouvoir revenir sur nos petits trucs. Alors bien sûr, il y aura probablement une menace divine qui va quand même arriver. Hein. C'est toute l'histoire de World of Warcraft. Hein. Chaque année, il y a une force divine qui débarque et qui nous casse la gueule et auquel il faut casser la gueule. Mais World of Warcraft essaye d'alterner entre waouh cosmique avec des voyages et revenir sur quelque chose de plus terre à terre quand même. C'est le cas avec Légion, vous partez sur Argus, vous retournez sur BFA, où c'est vraiment tranquille, un peu plus... on redécouvre des choses de notre monde avec des royaumes plus connus, des royaumes, on va dire le côté un peu plus heroic fantasy, et on retourne après sur un côté plus SF pour finalement retourner un peu plus sur un truc d'heroic fantasy. C'est un cycle comme ça tout le temps. Hein. Warcraft Vanilla, vous avez déjà vos forces cosmiques, hein, vos dieux, vos divinités, ce que vous pétez à droite à gauche, mais... Il y a ce côté heroic fantasy parce que bah, on est un petit aventurier, blablabla. Burning Crusade, vous prenez la porte des étoiles pour pouvoir aller sur un autre monde. Donc là, on passe sur le cosmique. On retourne sur le Northrend, donc quelque chose qu'on connaît un peu plus vis-à-vis de Warcraft 3, tout ça. Ensuite, c'est Cataclysme, donc c'est le monde, ok, mais on va dans d'autres poches dimensionnelles. Et on est confronté à une grosse force cosmique quand même. Derrière, on a Mop, qui est beaucoup plus terre-à-terre, tout ça. Et pourtant, on affronte... Les chats hein, sont quand même des forces cosmiques, mais pas de soucis. Et Leishen, qui est un dieu, littéralement. Et derrière, on va ensuite faire de nouveau la porte des étoiles. On va en Draenor, tout ça. Ça enchaîne sur Légion. Là, pour le coup, ils avaient vraiment enchaîné les deux en mode supra force cosmique, puisqu'on voyage ensuite complètement loin. Donc, à part là, globalement, ça fait souvent une extension cosmique, une extension. Terre à terre, une extension cosmique, une extension terre à terre. Par contre, dans toutes les extensions, il y a toujours des menaces divines qu'on explose. Hein. Tous ceux qui disent oui, moi je retourne à Vanilla, simple aventurier qui tue Cthulhu, bien sûr, un dieu très ancien, avec sa fronde façon Tiri. Donc non. À côté de ça, ce qui est important, donc pour moi, et suffit de voir un peu le développement, par exemple, bah, les Seigneurs du Vide, on les a toujours pas vus, alors qu'ils étaient teas à Légion, donc on les a toujours pas vus. Donc pourtant on aurait pu se dire bah ça va être dans la prochaine extension, bah non. Et tous ceux qui vous disent bah oui la prochaine extension c'est l'ombre, alors enfin c'est le vide, bah, pardon. Un jour ça arrivera peut-être, oui, mais on les attend toujours les... Donc au final les Seigneurs du Vide ils avaient été évoqués et on les a toujours pas vus. C'est pareil, Sargeras, bah on le connaît depuis Warcraft 2 et il a fallu attendre Légion pour le voir débarquer. Donc alors vous allez me dire il est venu un peu dans deux par là, oui, mais c'était plus ses lieutenants que lui-même. Donc faut pas penser que parce que ça y est on vous parle d'une menace tout de suite elle va arriver. Suffit de prendre tous les exemples de la franchise, les Titans pareil, les Titans on vous en parle dans Warcraft 3 dans le manuel et ensuite on vous en parle à Uldaman qui était même pas une extension, enfin qui était même pas un raid et qui était même pas un donjon fin de niveau et qui était quand même super important dans l'intrigue de Vanilla. Finalement dans les contenus additionnels on s'en fout. Burning Crusade, on vous parle plus des Titans, et finalement à Wotelka on vous parle à fond des Titans alors que ça n'était même pas le propos de l'extension et que c'est complètement une parenthèse qui n'a rien à foutre là. Et derrière, bah on n'a plus de nouvelles. À Cataclysme, pas de nouvelles. Mop, on a un peu de nouvelles puisqu'on vous parle d'Amantul et d'Yarcharaj. Puis ensuite, plus de nouvelles jusqu'à Légion. Donc il y a des moments comme ça justement où ça se fait par petites touches. Ça se fait par petites touches. Donc dans le temps. Donc il y a de grandes chances que ce soit la même chose et que la prochaine extension n'ait rien à voir. Avec ça, qu'on soit beaucoup plus sur un retour terre à terre, c'est pas du 100%, bien sûr. Je me dis pas c'est sûr ça va arriver, mais il y a très grande chance que ce soit comme ça. D'ailleurs, j'en profite aussi, mais j'avais évoqué que la fin de Shadowlands, on retournerait en Icecrown, tout ça. On n'y retourne pas dans le combat. Moi, je pensais vraiment que dans le combat on y allait, mais au final, c'est dans toutes les cinématiques où on retourne avec la Forge des âmes aussi. On revient à l'intérieur d'Icecrown. Donc ça va, je m'étais pas complètement gouré à ce niveau-là sur mes calls. Ça va, il y a eu des calls sur lesquels je me suis raté avec Shadowlands. On fera le bilan ensuite de mes propres calls. Mais Bolvar, hein, bien sûr. Là, c'est le gros fail call, hein, Bolvar. Mais la plupart, sinon, je suis assez content. Je me suis pas complètement trompé à ce niveau-là. Du coup. Donc comme je disais, cette cinématique, est-ce qu'elle est satisfaisante ou pas? Je pense qu'elle est satisfaisante. Et encore une fois, la fin de Shadowlands, bah, si vous écoutez les devs, c'était sûr qu'il n'y aurait pas de 10.0 avec le monde est reboot, tout ça, le joli va gagner. Ils se sont littéralement dit au début qu'il fallait un méchant qui se finirait à la fin de l'extension. Moi je m'attendais pas à ce qu'il meure par contre, mais au final, bon bah il est mort. Et
C'était évident. Donc, certains, peut-être que cette cinématique va décevoir ceux qui s'étaient fait un plan sur la comète en mode oui, finalement, la destruction, tout ça, du monde. Bah non, non, non. Hein, si vous voulez que le jeu il se termine et que ça finisse mal, prenez une batte et vous détruisez votre PC, il n'y aura plus de World of Warcraft. Oui, vous ne pourrez plus y jouer. Donc le jeu lui aura gagné. Voilà, vous aurez votre fin si vous voulez. Mais donc, à côté de ça, donc, elle est satisfaisante cette cinématique parce que elle répond en fait elle finit. Justement, on a enfin du développement sur le geôlier, donc ça dessus c'est satisfaisant, on attendait du développement sur le geôlier. La fin bah, répond à son enjeu principal qui était quand même l'ouverture, justement, avec le casque arraché par Sylvanas, donc là-dessus ça y répond, clairement. On a plus d'éléments, donc on a aussi des motivations, en dehors de son développement où on voit son flashback, on a aussi ses motivations, donc il faisait tout ça pour contrer une supra-menace. Ça rappelle beaucoup Sargeras, encore une fois, ça rappelle beaucoup Illidan, ça rappelle Ner'zhul, encore une fois aussi. Donc, pour essayer d'humaniser un peu le personnage. Donc, à ce niveau-là, elle est satisfaisante. Attention maintenant, je suis pas en train de dire c'est trop bien, c'est machin, tout ça. Le problème, comme je l'ai dit précédemment, ça, le flashback, il aurait dû arriver bien plus tôt. Le développement du personnage aurait dû arriver bien plus tôt. Je suis désolé, mais je peux pas avoir d'empathie sur un personnage qui n'a pas eu de développement, en fait, hein, jusqu'à maintenant. Et il faut pas oublier que pendant tout Shadowlands, il nous sort des phrases complètement bateau de « je vais tout détruire, je vais tout péter, vous êtes que rien, machin, machin ». Il y a un moment donné où si je veux avoir de l'empathie pour le personnage, il faut qu'on me développe, même si pas grand-chose, il faut qu'on nous dissémine par les patchs un peu d'humanité sur le perso, pour qu'on se dise, ok, il a l'air de... Et le mec, il arrive, et on veut essayer de récupérer, genre, un Sargeras qui a eu 15 ans de licence de développement. Ah non, en une extension, ça suffira pas, en fait, hein. Et encore une fois, même s'ils avaient fait ça bien avec le flashback début, ça aurait peut-être pas été suffisant, mais... Flashback au début, un peu de truc. Enfin, ce qui est quand même terrible, c'est que le moment le plus humanisant pour le personnage, il est même pas en jeu. Il est même pas en cinématique. Il est dans l'univers étendu. Il est dans Contes et Légendes d'Azeroth, où on a un dialogue entre le geôlier et Vereza Windrunner, donc la sœur de Sylvanas Coursavant. Et au final, eh bien, ce dialogue-là est probablement celui qui humanise le plus le geôlier. Et ce qu'on n'a pas arrêté de dire en stream avec Eva, c'est que ça aurait dû être en jeu. On aurait dû, peut-être, on remplace Vereza par Sylvanas en jeu, mais le même type de dialogue en jeu. Alors, ça aurait fait doublon, mais c'est pas grave. L'univers étendu, il est pas là pour être indispensable. Donc, il aurait mieux fallu que ça fasse doublon. Est-ce que ça aurait humanisé le personnage? 9.0, t'as le flashback. 9.1, t'as ce dialogue entre le geôlier et Sylvanas. Et 9.2, boum, tu as la résolution où il dit, bah voilà, c'était la menace qui arrive. Moi, j'ai toujours voulu me battre contre ça. Là, ça aurait été plus logique. Maintenant, le développement du personnage en soi, lui, est cohérent. Je veux dire, on va comparer. Moi, j'ai déjà commencé à comparer avec Deathwing et Arthas pour Cataclysme et Wotelka, avec un méchant qui arrive et qui se termine. Arthas, comme je l'ai dit, c'est complètement incohérent à Wotelka. Deathwing, c'est incohérent à Cataclysme aussi. L'âme des dragons, tout ça, pour pouvoir battre Deathwing, c'est complètement incohérent aussi. Mais. Par contre, enfin, mais Deathwing, lui, avait du développement qui suivait la logique du personnage par rapport à ce qu'il faisait avant. Bon, il était plus subtil avant, mais c'est pas incohérent. Il est juste devenu plus subtil, en fait. Il était subtil avant, c'était complètement... C'est dommage dans son traitement, mais pour le coup, c'est pas incohérent. Ce qui est incohérent avec Deathwing, c'est plus la résolution, comment on bat Deathwing. Ça, pour le coup, comment on bat le geôlier, c'est fait à Azeroth Mortis. Ils en ont conscience que le geôlier est trop puissant et peut les dominer, comme dans la cinématique de fin de la 9.1. Donc ça, Azeroth Mortis y répond. Donc à ce niveau-là, on peut dire ce qu'on veut. Le geôlier a eu un traitement cohérent. Le problème, c'est plus que parfois c'est fait au forceps, en mode voilà, en fait, tout ce que vous connaissez de War 3 et tout, bah en fait, c'est le geôlier, la création du Relish, tout ça, bah en fait, c'est lui, la Légion Ardente, tout ça, bah en fait, c'était lui qui était derrière tout ça. Ça, clairement, ça manque de subtilité, même si le traitement du geôlier en lui-même est cohérent. Mais il y a encore plein de zones d'ombre où on n'a pas de réponse. Est-ce qu'on en aura? Il y a des chances qu'on n'en ait pas, pas pour toutes en tout cas. Donc, il y a des choses. On manque de réponses, on manque d'informations, ça c'est clair, mais lui, en lui-même, ça passe, on va dire, ça passe. C'est pas superbe, c'est pas incroyable, c'est pas fou, c'est clairement du Sargeras 2.0, c'est clairement du Ner'zhul 2.0, c'est clairement du Amon 2.0, mais au moins, dans son traitement, il est cohérent. Maintenant, ce que je trouve dommage un petit peu entre Shadowlands, et on en reviendra, donc là j'anticipe un peu la vidéo sur le bilan, mais là où je reviendrai, c'est en fait que... Le problème du geôlier, c'est pas le fond, c'est plus la forme, je dirais, qui est le problème. Bon, le fond est pas terrible, hein, qu'on soit clair, mais le fond n'a pas d'incohérence, c'est plus la forme, ou c'est pas des incohérences, mais c'est des gros problèmes de... Il y a trop d'inconnus, en fait. C'est un texte à trous, le perso, quoi. Donc, et on n'aime pas les textes à trous. Donc, c'est chiant. Donc,
Ça, à ce niveau-là, il est décevant. Il est clairement décevant, mais en soi, la cinématique, elle, est satisfaisante parce qu'elle répond, en tout cas, à une partie de ses intrigues. Maintenant, clairement, c'est le minimum, quoi. C'était le minimum syndical, donc elle n'est pas extraordinaire, cette cinématique. Je suis pas en mode waouh, c'est trop bien. C'est ok. Elle est ok. Parce que c'est des choses qui auraient dû venir. Bon, là, je me répète, mais c'est des choses qui auraient dû venir avant. Et on a clairement des éléments qui nous manquent. Alors, bien sûr, la cinématique ne peut pas vous donner toutes les réponses. Et encore une fois, il y aura plein de choses qui seront en jeu avec des discussions, etc., entre les personnages. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à ceux qui s'inquiétaient par rapport à Jaina, énormément de lignes. Énormément. En tout cas, elle a beaucoup de dialogues vis-à-vis de d'Arthas, tout ça. Donc, ça, c'est ce que j'avais évoqué, j'étais pas sûr. Mais effectivement, il y a des dialogues là-dessus vis-à-vis d'Arthas. Donc, il y en aura aussi vis-à-vis du geôlier, peut-être des lignes des Éternels, le Primus, tout ça. Pareil, qui développeront un petit peu. Mais clairement, il faut attendre la 9.2 pour avoir du développement. C'est quand même très, très long. Donc, là-dessus, c'est assez relou. Donc, j'espère, voilà, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a forcément des points que j'ai oubliés parce que j'ai essayé de tout faire vite. Mais donc, je les mettrai probablement en commentaire épinglé. J'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Je rappelle que Shadowlands n'est pas encore terminé. Il y a le jugement de Sylvanas. Peut-être qu'on aura d'autres cinématiques à ce moment-là. Il y a la 9.2.5 qui rajoutera probablement des petits trucs et qui servira de passerelle vers la prochaine extension. En attendant, voilà, merci à tous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le Nexus. Salut. Salut. Oui, quand j'active ce modificateur de voix, je trouve ça toujours rigolo. Comment ça, c'est pas ma vraie voix? Si, c'est ma voix naturelle, je suis un démon. N'hésite pas à suivre mes doigts. Facebook, Twitter, YouTube, tout ça. On se dit plein de bisous. Toute la playlist Shadowlands est disponible, hein, n'hésitez pas aussi à la re-regarder, ça peut être rigolo par rapport à ce que j'ai pu dire. Bisous.